Aujourd'hui, on va peindre une aquarelle ensemble et puis je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Je vais vous présenter un peu le matériel dont j'ai besoin. Donc j'aurai besoin d'un crayon de papier, de stylo noir permanent, de crayon de couleur, d'une gomme, d'un stylo blanc, d'un carnet avec des feuilles aquarelles, des pinceaux et évidemment de l'aquarelle.
Salut les loulous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo où en fait je peins, je fais juste une peinture pour moi à l'aquarelle et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un peu comment je fais. Alors je fais pas de l'aquarelle tout le temps mais j'adore en faire donc voilà. Et du coup j'ai décidé de reproduire une scène de Ponyo, le Ghibli Ponyo. Je suis pas trop contente du rendu final parce que les couleurs sont pas du tout pastel comme je voulais, mais mes aquarelles sont vachement criardes et je sais pas trop comment faire. Donc voilà, mais j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Et en fait, en même temps, je vais faire une sorte de FAQ, FAQ, où je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc voilà. Et on va commencer par la première question. Du coup, une question toute simple et très gentille, on m'a demandé comment j'allais. Donc voilà. En ce moment, ça peut aller, ça va plutôt bien, ça dépend des moments. Justement, le fait de faire un peu d'aquarelle, en fait du dessin traditionnel en dehors de mon travail, du dessin pour le tatouage ou autre, ça m'apaise beaucoup. Je ressens que ça m'apaise beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté des Posca il n'y a pas longtemps pour tester un peu ce médium. Donc voilà, et la peinture, l'aquarelle en général m'apaise et j'ai besoin de ça en ce moment. Et sinon, bah ça va quand même plutôt bien, les beaux jours arrivent donc c'est cool. On peut ressortir un peu, profiter et puis voilà. La deuxième question qu'on m'a posée c'est quand as-tu commencé à dessiner ? Du coup, réponse un peu bateau, mais je crois que je dessine depuis que je suis toute gosse. J'ai eu une période où je ne dessinais pas du tout. Je me souviens que je dessinais beaucoup au collège, où je dessinais pas mal de mangas, je reproduisais ou j'essayais d'inventer. Faudrait que je vois si j'ai encore des dessins qui traînent pour vous montrer. Un de mes premiers dessins où j'étais vachement fière, c'était une reproduction du loup de Link, enfin dans Zelda. Et voilà. Et en fait, j'ai surtout repris le dessin quand j'ai voulu me trouver un apprentissage dans le tatouage. Donc c'était en 2014-2015, je crois. Puis voilà. Depuis, je dessine tous les jours. En fait, vu que c'est mon travail, j'ai dans un sens pas le choix. Après, j'ai quand même encore des moments d'art block ou vraiment page blanche où j'arrive pas à faire des trucs. Donc quand j'ai cette soudaine motivation où justement j'arrive à dessiner les projets clients ou quoi que ce soit d'autre, je prends en général de l'avance pour prévoir ces art blocks un peu nuls. La troisième question, donc c'était quand as-tu commencé le tatouage ? Du coup, j'ai commencé le tatouage en 2018, enfin un peu fin 2017, j'ai fait 2-3 tatouages fin 2017 lorsque j'avais trouvé un pseudo apprentissage. Je sais pas si j'en reparlerai, c'était un peu spécial, mais pas très utile en tout cas, et pas une bonne expérience. Mais du coup, en 2018, en fait, j'y suis allée un peu culot, j'ai ouvert mon salon de tatouage privé, et j'ai commencé à tatouer comme ça. Donc mes premiers tatouages étaient pas fifou. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de travail à faire sur mes tatouages, en fait, sur le côté technique, et même le côté créatif. Mais du coup, je vois quand même une nette progression en 4 ans. Donc là, ça fait à peu près 4 ans en fait que j'ai commencé le tatouage. Et je trouve ça trop chouette en fait de voir que j'évolue. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans 4 ans de plus. Parce qu'on dit qu'il faut entre 8 à 10 ans pour être vraiment professionnel. Donc j'ai hâte de voir ça. Si je suis tatoueuse encore jusque-là, sait-on jamais. Donc voilà. Autre question. As-tu déjà été tentée de créer un salon avec d'autres tatoueurs qui partagent tes valeurs ? Au tout départ, quand j'ai ouvert mon salon de tatouage, il y a un moment où je me suis dit que j'en avais un peu marre de bosser seule. Déjà parce que c'est un frein, dans le sens où quand t'es seule, t'apprends pas des autres et c'est nul. Du coup, je m'étais dit que ouais, j'aimerais bien ouvrir un salon de tatouage avec plusieurs tatoueurs, des styles différents, mais avec une valeur proche, que ce soit par rapport au véganisme, par rapport au respect des clients, qui malheureusement n'est pas toujours le cas chez tous les tatoueurs et tatoueuses. Mais au final, ça m'est passé parce que j'aime cette liberté de pouvoir travailler seule, de pouvoir venir quand je veux au shop, partir quand je veux du shop. Mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour j'ouvrirai un plus grand shop. Franchement, je suis pas sûre. Mais par contre, je pense continuer à faire que ce soit des conventions ou des guests dans d'autres shops parce que j'apprends énormément quand je fais ce genre d'événements ou de déplacements. Et parce que mes collègues m'apprennent plein de choses en fait, que des fois c'est des trucs basiques que je ne sais pas et qui m'aident ensuite énormément dans mon travail.
Donc si ça peut me permettre de m'améliorer, je demande que ça. Même si j'avoue que me déplacer et travailler dans un autre endroit que mon petit cocon à moi, c'est assez anxiogène pour moi parce que du coup j'ai pas les mêmes habitudes, on fait pas du tout les mêmes choses, c'est pas la même façon d'accueillir les gens, etc. Et c'est pas facile, mais c'est utile. Alors on m'a aussi demandé quel parcours as-tu fait pour devenir tatoueuse ? Donc comme je l'ai dit, en 2014 j'ai commencé à chercher un apprentissage parce que je m'étais fait tatouer, un tatoueur m'avait conseillé de chercher un apprentissage parce que j'avais un certain niveau qui en vrai était tout à fait dégueulasse, hein, vraiment je comprends pourquoi j'ai pas trouvé d'apprentissage au vu de l'état de mon bouc, mais bon c'est en faisant qu'on apprend, hein, toujours pareil. Et donc voilà, j'ai cherché un apprentissage pendant à peu près 3-4 ans. J'en ai trouvé plus ou moins un, mais qui s'est pas très bien passé. J'ai vraiment rien appris techniquement parlant. Par contre, j'ai pas appris à voir comment fonctionnait un shop, comment gérer les clients, etc. Mais les valeurs de ce shop-là n'étaient pas du tout en accord avec qui j'étais en fait et avec ce que j'ai, enfin avec la vision que j'avais du milieu du tatouage, qui est un milieu quand même assez spécial et je pense, enfin c'est dans pas mal de boulots pareil, mais du coup je trouve que c'est un milieu vachement fermé et tout le monde se marche dessus, enfin ouais tout le monde se rendre dedans un peu, c'est pas hyper agréable. En fait, il y a des petits groupes, et si tu fais pas partie des petits groupes, bah t'es un peu tout seul dans ton coin, et il faut te faire assez discret, quoi. Et du coup, donc en 2017, j'ai plus ou moins eu cet apprentissage, et en fait, j'ai appris tout seul, j'ai appris en tatouant des peaux synthétiques. À l'époque, des peaux de cochon, j'étais pas encore végane. C'était dégueulasse. Des agrumes, je me suis aussi tatouée moi. J'ai tatoué quelques, on va dire, cobayes, en fait, qui étaient conscients que c'était mes débuts. Donc les tatouages n'étaient pas fous, mais en même temps, c'était des petits tatouages aussi, donc qui me permettaient de me faire la main. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé, et puis il n'y a pas à chier, en fait, le fait de tatouer ensuite plus ou moins tous les jours en ayant ouvert mon shop, bah, j'ai progressé très vite. Après, je recommande vraiment quand même de trouver un apprentissage. Parce que, oh là là, ça vous fera gagner un temps monstre et ça vous évitera aussi beaucoup d'erreurs sur les gens. Parce que bah, malheureusement, c'est un métier où tu apprends en quelque sorte sur les gens, sauf que c'est à vie. Et bah, des fois, on fait des bêtises qui sont pas forcément recouvrables et c'est un peu dommage. Et j'ai sélectionné une dernière question donc pour cette vidéo. Comment fais-tu pour qu'un tatouage coloré reste le plus joli possible dans le temps ? Parce que du coup, je sais pas si vous suivez mon travail en étant sur cette chaîne, mais je fais beaucoup de tatouages full couleur et avec des couleurs assez pétantes, et j'adore faire ça. Mais du coup, il y a encore ces dires sur le tatouage couleur, comme quoi ça tient pas dans le temps, etc. Alors, encore une fois, j'ai pas la parole divine, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais je trouve que déjà le matériel, bah, les couleurs en fait, les composants ont évolué depuis le temps, depuis l'époque où ça tenait pas vraiment, où il y avait des problèmes, ce qui fait que maintenant ça tient mieux. On a énormément de gammes de couleurs, de marques qui sont différentes, et après bah, il faut aussi trouver sa façon, sa marque, la marque qui nous plaît le plus en fonction de notre façon de tatouer. Moi j'en ai une que j'apprécie énormément et j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver les couleurs qui me convenaient, qui correspondaient à ma façon de travailler. Et je trouve que mes couleurs vraiment tiennent vraiment très bien dans le temps. Après j'ai pas encore assez de recul bah, sur 10 ans par exemple en fait, parce que bah, je tatoue pas depuis tout ce temps là et que entre temps bah, tout évolue aussi. Après il n'y a pas de secret, si tu as la peau un peu plus claire à la base, bah forcément les couleurs vont ressortir plus vives. Après un tatouage se ternit toujours un peu dans le temps en fait, parce qu'il y a les couches de peau qui se réparent, qui se mettent au-dessus de tout ça, ce qui fait que ça donne un peu ce côté mat qui est tout à fait normal, et en fait c'est ok parce que votre tatouage vit avec vous et tout. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, bah en fait il faut juste en prendre soin comme vous prendriez soin de votre peau, voire peut-être un peu plus quand même. Dans le sens où, que ce soit un tatouage en couleur ou pas, bah, on évite l'exposition au soleil, mais minime en fait. Parce que ça détériore un peu quand même la couleur, enfin la façon dont est vue la couleur. Et il y a des couleurs très claires qui peuvent ne pas tenir dans le temps à cause de ça. Et après, il y a tellement d'autres facteurs en fait où on n'a pas trop la main, ça peut être la qualité en quelque sorte de votre peau. Si le jour du tatouage, le
tatoueur a fait ou non un bon travail. Après, c'est assez subjectif parce qu'il y a un tatoueur qui peut faire un très bon travail, mais si vous ne faites pas des soins correctement ensuite pendant la cicatrisation, le tatouage peut ressortir très moche. La cicatrisation est très importante. Donc voilà, et je sais pas quoi dire d'autre. Je crois que c'est tout en fait. Faut juste faire attention et puis bien choisir son tatoueur aussi, regarder son travail pour faire en sorte que vous ayez des belles couleurs. Voilà. Je vous laisse continuer à regarder cette vidéo et puis j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques trucs sympas. Merci beaucoup.
Thank you.